Bon allez, c'est qui part? GG King, petit montage de l'exit bébé, ça fait un petit moment. Contre Varus top. Attends, parce qu'en fait, j'étais pas concentré, attends, non, non, mais non. Non, 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 laisse-moi m'asseoir, voilà, petit verre d'eau. Ok, on peut commencer. Auto, proc mark, W, du coup, il est plus attack speed, du coup, il casse le Q, parce qu'il sait qu'il a plus attack speed. Proc, une marque au W, auto, reset auto flashé, Q. Magnifique. Et pas à dire GG King. C'est un peu même si que moi dans le sens où c'est un mécanique abuseur genre. Il aime trop pop-off mécaniquement en fait. Vous savez que là il fait pas ce flash, il meurt. Hein. Il a parade le kick. Vous savez que c'est je trouve pas ça simple la parade. Hein. Parce que le kick a un lock time. Il y a un petit moment où avant de te faire kick, t'es légèrement cessé. Non mais il ne va pas survivre là. Car tu sais où Thunderer. La tour tombe. Gordrinker cette fois. J'aimerais savoir quand est-ce qu'il joue Thunderer ou Gordrinker ou Triforce. Après je crois que j'ai rarement vu je l'ai rarement vu sur Triforce. Il a pas utilisé sa parade là, intéressant. Ok, très belle parade. Très très belle parade. Il peut pas Q, il peut Q maintenant, il dodge l'ulti. Tout juste out of range. Wouah! Le Gordrinker. Attends, on l'a vu ce move en plus. Non mais mec, la suite. Ouais, c'est très très grave. J'avais déjà vu le move. Je l'avais déjà vu. Et il est quand même ridicule. Ça c'est, mais ça c'est pareil, en vrai, ok, hors toute vanne, juste, en tout sérieux, t'es joueur de LOL, ok, la Fiora, en face de toi, bah elle est fit déjà, là ton mental est pas bien, sachant que t'es range dans un match-up melee, tu te manges ça. Le mec a fait ça en mode t'étais un punching ball. Vous savez que moi tu me donnes un punching ball, j'ai déjà trine ce combo, je ne le régule toujours pas. Le faire sur des joueurs en game, c'est ultra dur. Et le c'est absurde, vraiment régule comme ça c'est absurde. Magnifique. Il a outplay Kha'Zix. Le Kha'Zix pensait qu'il allait juste essayer de fuir et qu'il aurait la range du Q avant. Mais il a joué sur le fait qu'il avait plus d'attaque speed. C'était très très bien joué. Ah, il a essayé de. Vous avez vu ce qu'il a fait là, le World Cup ou pas? C'est un truc, c'est un truc qui se fait souvent et tu verras très souvent à Wello. C'est de jouer avec le Bush. Et en gros, il rentre dans le bush en faisant un dodge, en mode il a raté son dodge, en gros.
il fait semblant de rentrer dans le bush en ratant son step. Donc le Viego, quand il voit le mec rentrer dans le bush, il le voit aller vers le haut, genre corriger vers le haut. Et il va se dire, ok, il a essayé de me bait, il a raté. Et du coup, il va lancer son Q vers le haut. C'est pour ça qu'il dodge vers le bas, en fait. Mais le Viego a quand même réussi à taper le stun. Pareil, c'est un très bon flash. Je pense aussi qu'il était dans la hitbox. Ça peut sembler, vraiment, hein, ça peut sembler d'être de l'oversync ou que je vois des trucs qui n'existent pas, mais c'est très réel. Il joue bien le Renekton, hein. Le match-up est vraiment pas simple. Il a bien joué la WQ pour pouvoir proc le. La voyance. Il s'en foutait de parade le stun, il voulait juste être pas stun dans les CS. C'est pour ça qu'il a WQ, pour garantir son Q-out. Et je crois qu'il y a un monde, si Renekton te stun pendant un Q, tu te fais cancel le reset du Q. Non, non, il a pas fait ça. Il attend le reset. Auto-Q. Et là, regardez. Au lieu de sortir, il corrige dans l'ulti. Là, il a fait un mini-step in. Parade. Pour que le Yone seulement aille moins loin. Stun. Kill. Ça joue à des micro-détails. Tous les moves depuis tout à l'heure se jouent à rien du tout. Après, quand tu joues un perso mécanique, c'est obligatoire. C'est dommage que le Q touche pas. Proc la marque. Dodge le Q. Dash le wall. Masterclass. Demonic Embrace qui fait un taf de fou furieux. Hein. Le Q parade est magnifique. Et il a les dégâts là. Ah, c'est une folie. Mais il meurt pas, hein. Ça y est, il est escape. Ouais, bah ouais, les mecs le savent. J'ai juste envie de revoir rapidement le move sur Akan là, c'est choquant. Bon, l'escape à un HP est absurde déjà. Mais là, il a très bien joué, il a vu qu'il n'y avait plus le E, dodge le Q. Le T, Liandry démonique le brûle. Q parade. Proc marque. Il a eu de la chance sur le proc de la première marque quand même. C'est indécent ce qu'il propose. Hein. Engage de Akali quand elle a plus d'énergie. Force la smoke. Dash derrière elle pour pas qu'elle go. Magnifique. Il savait qu'elle allait ulti au moment où il allait dash. Flash en range de reset de Q. Voilà, Akali aurait jamais dû rego. Là, Akali avait bien joué et escape. Elle aurait juste dû en profiter en fait. Il a parade la marque. Ça, c'est vraiment fort hein, de pouvoir parade la marque. Magnifique. Très belle stopwatch, il proc l'ulti. Sustain, proc marque. Prédicte le retour. Dodge le E. Il avait encore son Godrinker. Hein. Il a dodge tous les tentacles. Hein. Ok, écoute-moi bien. Si tu gagnes le fight contre Illaoi dans ces conditions, j'explose. Plein de fois j'ai regardé full mec qui expliquait à quel point Poign et Sunder c'était un peu du troll sur Fura et que c'était vraiment pas au petit niveau DPS. Et plus je regarde des clips de DJ King et de Poign et de Sunderer et Godrinker, plus je me dis que la sustain proposée et que le bait que ça fait est juste indécent. Genre. Ah bah je pense que ça doit énormément dépendre des match-up. Hein.
Pour le coup, je m'y connais pas assez en top lane, mais. Il a fait exprès. Il fait exprès, regardez. Il fait des clics droits, il fait des steps avec le S. Genre, il stoppe ses steps et regardez. Il bait le W de la. Il attend son Q en fait, il bait le W de la. La Belvette. La Belvette, elle va plus reset son dash. Dodge le full combo. Non, mais c'est rien à faire. C'est rien à faire. En vrai, le matchup contre Gnar, il doit pas être simple au début, non? Mais après, après tu dois le tenir tranquille. Je m'en bats compte parce que dès qu'il transforme, en fait, tu peux forcer l'engage. Si tu t'es pas fait trop poke, genre. Là, il dodge le W de Kayn. Parade le W. Non, mais c'est dingue. Non mais ouais. Il sait qu'il va se faire cage. Insta parade. Full combo. Bah, retour base hein. Merci d'être venu hein. Il a sa parade pilatant. Il a fait exprès de tamer sa parade et il a dodge l'ulti d'Ezreal. Non mais. C'est... Vous êtes au courant, c'est du GM super serveur. Le Nautilus ça back carrément tellement le kill était garanti pour lui. Ah bah non, c'est parce que sa team est en train de finir la game. Non mais c'est une folie hein. Ouais. Je vous envoie ça. It smells like home here. J'ai pas les, je sais.